Bonjour à tous et à toutes celles qui nous suivent. 666 pour l'épisode 17, je crois, de ce walkthrough de Batman Arkham City. On a énormément avancé, on a 37% du jeu. Je sens qu'on s'approche un peu de la fin. Enfin, ça se trouve, je me trompe. Donc, on va retrouver notre cher Catwoman pour. Va s'introduire dans le coffre de. Enfin, je crois que c'est ça. Oui, elle voulait bien qu'on s'introduise dans le coffre de Strange. Donc j'ai une petite voix, forcément, je viens de me lever. Donc voilà. Encore une fois, le temps de chargement assez long. Sincèrement, je pense. Il y a des chances, mais c'est pas sûr à 100%, que je termine le jeu ce matin. Bon, c'est pas très sûr. Bon, j'ai toujours pas compris comment ça marchait, le système de trop tôt ou pas trop tôt. Appel QG. Commandement Tiger, on est dans le secteur 2. On a été attaqué. Le coffre est alors. Compromis. On pense que c'est un coup de Poison Ivy. Terminé. Bien. Wow, ça c'est de là. Ça c'est quoi? Ah mais c'est une armure. Hein. Le gars il se prend 20 coups quand même. Et paf! K.O. Super Ivy, je peux toujours compter sur toi pour un petit séisme. Elle a carrément fait un séisme avec ses plantes. Putain, c'est reparti, je suis fatigué, je sais pas comment ça se fait. Normalement, je suis jamais fatigué. Enfin, rarement. Et nous voici dans le ah, la glissade. Voilà les plans de trop classe. Et voilà donc l'entrepôt. Bien joué, Pam. Il est temps d'entrer. Alors. Bon, voici le coffre. On dirait un protocole de sécurité standard à trois cartes. Mille cafrés sort de ce corps. Je croyais qu'ils auraient compris depuis le temps. Avec un peu de chance, les clés sont en bas, dans les poches de ces gardes, Tiger. Ça fait quand même bizarre d'entendre la voix. Et je pas de voir bouger. Un faux pas et la sécurité se déclenche, puis le coffre se referme définitivement. Je sens qu'on reviendra ici avec Batman. Dans 10 minutes. Ah d'accord, on est à peu près là dans l'histoire du jeu. C'est sympa cette technique de se déplacer. On fait limite. Et merde. Oh, je me suis fait tuer en 2 balles. J'ai pas compris comment j'ai été repéré. J'ai hâte de disséquer votre cerveau, Miss Kyle. Mais il est dangereux, ce mec. Arrêtez-le, arrêtez-le. Mais faites quelque chose. Non, mais c'est dingue. Disséquer mon cerveau et puis quand encore? Et ouais, je me disais que si j'y marchais dans la rue, je vais peut-être me faire repérer. Dans la rue. Dans la V.
Ils sont combien? C'était pas censé être 3? Je croyais qu'ils sont 4 en fait. Pour ça que je me suis fait repérer. Ils sont 5. Ouais, ce mode de rien, ce mode là n'indique pas le nombre d'ennemis. Bien dommage. Voilà toutes les clés. Prochain arrêt, la salle de sécurité. D'accord. Faut 3 clés, mais il y en a 5. Bizarre. Ah non, mais elle dit qu'il faut... Je pense que c'est 3 clés différentes. Putain. Je crois que tu remontes, c'est vraiment mieux. C'est mon plafond. Ça c'est quand même classe comme technique de déplacement. Bah tout il peut aller se rabiner. Alors, sésame, ouvre-toi. Chat. Sésame ou chat? Non, sésame, ouvre-toi. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un porte la porte. C'est un exercice? Si c'est ça, on ne savait pas. Écoutez, il y a quelqu'un ici. Dispersez-vous et cherchez les intrus. Pas de prisonniers, allez! J'aime pas ça. Tu crois que c'est Batman? J'espère pas. On a des ordres précis pour lui. Avec un peu de chance, c'est des rats d'Arkham qui veulent s'enrichir. On va pouvoir s'amuser avec eux. Des rats? Genre, t'as déjà vu des rats qui savent ouvrir des cartes. Aucun signe de la cible. Oh, moi je me balade, hein, ça se trouve, y'a un truc. Hey. Bah, elle est super grande cette salle en fait. Jamais d'ennemis de ce côté-là, mais c'est quand? Qu'il fasse gaffe, hein, Selina, c'est une violente. Hein. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Ah. Ouf. Là, tu te mets à l'endroit où il n'y a pas de grille. D'accord, personne n'a rien entendu. Non, non, non. Oh, on peut pas passer par là. Vous avez un homme en moins. Faites un effort. Tout en restant au plafond. Et merde, je le savais que t'aurais dû remonter. Je sentais que j'aurais dû remonter avec elle. Enfin bon, en plus elle est hyper vulnérable par rapport à Batman. Pour la simple raison que bon, je me suis pas amusé à l'augmenter. Ça semble logique, je veux pas gaspiller mes points pour augmenter le personnage secondaire. Résultat, je galère. Et 3 contre 1. Allez. Allez, bonjour à tous, c'est Serge. Non, bon. Pas bien de se moquer de Serge. J'ai pas compris pourquoi je peux pas me faire les deux en même temps. Je répète, Batman est dans la Syrie. Ah.
Clairement, on sait où est-ce que ça. On voit que ça se passe vraiment en même temps cette fois. Oh putain. Oh putain, protocole 10 activé. Protocole 10 activé. Protocole. Non, non, non. Je rentre dans le coffre avant. On dirait que j'ai trouvé la planque des souris. Essaie un peu de m'attacher à tes plantes. Tu rêves. Oh putain. Qu'est-ce que ça fait, Ivy? C'est pas bien. C'est très fragile, les orchidées. Ça brille vachement. Il semble que nous ayons attrapé notre intruse. Donnez-lui une leçon. Oh. Oh, les choses sont de mieux en mieux. Batman sera bientôt mort. Et vous êtes ma prisonnière, Miss Kyle. Allez, hop, le plus dangereux. Allez, hop, toi ton bouclier, tu lui dis au revoir. Je suis content de me battre contre les Tigers. Enfin, attends. Peut-être pas parce qu'ils sont un peu. On va dire ils se laissent pas faire les cocos. Oh putain ils tapent vite. On passait tout à l'heure toujours des tenues. Là on passe au Tiger. Mais bon, c'est toujours pas ça. On a une confirmation visuelle. La série est touchée. Batman est mort. Je répète, Batman est mort. What the fuck? Attendez là. Oh. Bien. Attendez la fin de la mise en œuvre du protocole 10 et envoyez une équipe pour récupérer le corps de Batman. Tu es malade ou quoi, Selina? Compris, tu monsieur. Tu partir en abandonnant ton précieux butin dans le coffre de Strange? Je vous Darkham City. Donc ça, je vous rassure, si vous n'avez pas Catwoman, vous n'avez pas besoin. Enfin, ça compte pas pour le. Pour le succès. Le trophée, pardon. Trophée platine. Allez, Selina, tu peux y arriver. Il suffit juste de sortir d'ici et de le laisser. C'est simple. Tu ne te le pardonnerais jamais, Selina. Sauve Batman et fiche le camp. C'est pas comme s'il allait mourir, c'est Batman, hein? C'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis. On a un choix. D'accord. Oh putain, c'est tendu comme choix. Il est sauvé, Batman. Depuis quand est-ce que tu as une conscience? Bon sang, je n'aurai donc jamais la paix. Tiens bon, mon grand, je viens sauver ta peau. Putain, je savais pas qu'on pouvait avoir des choix. Alors, je suis encore une fois agréablement surpris. Tu vois ce que j'abandonne pour toi, Batman. T'as intérêt à être encore. Alors, je te manquais, pas vrai? Je me disais que tu aurais besoin de moi. Tu as raison. J'ai dû me casser un ongle là-bas. Toi, tu joues les gars sérieux. Et moi, je m'occupe des vannes. Je crois qu'on sait tous les deux ce qu'est le protocole 10 maintenant, non? Si tu comptes l'arrêter, il va falloir faire vite. Quoi, le protocole 10, c'est juste exploser Batman et le Joker avec les hommes du Tiger. Pas vraiment protocolaire. Oracle, Strange lance des frappes de missiles sur Arkham City à partir de la tour Wonder. Bouclez cet endroit. Le Joker a kidnappé Talia. Je vais la chercher. Impossible. Ça ferait des milliers de morts. Vous devez m'aider à arrêter cette attaque. Il va tuer Talia. Il est passé où là? Ouais, Fred. Batman ne peut pas laisser tous ces gens mourir. Mon mouchard ne marche plus. Réorienter tous les satellites Wayne Tech pour améliorer le signal. Impossible. Je réalise à quel point cela est difficile, monsieur. Mais ne peut-on sacrifier une vie pour en sauver une? Ouais, mais pas Talia. Batman doit sauver Gotham. Je suis désolé, mais au fond. Vous savez que j'ai raison. On a côté Alfred, il a la classe. Bon sang.
Oracle, ne perdez pas le signal de Talia. C'est bon. La tour est bouclée. Impossible d'entrer sans les codes. Le programme principal doit être dans un de ces hélicoptères. Il ne me reste plus qu'à le trouver. Je sais pas si on s'approche de la fin du jeu. Plusieurs victimes chez les détenus. Mais il semblerait. Seulement 16 épisodes, sachant que je n'ai vraiment fait que la quête principale avec lui. C'est vrai que si on le back, le jeu se termine assez vite. Je pense. Enfin là, je pense qu'il me reste encore peut-être 17 pour ajouter 2-3 épisodes derrière. De toute façon, bon, après, je ferai mes défis. Après, j'ai aussi le Uncharted 3 à faire, quoi que Uncharted 3, je vais un peu ralentir le... Comment, je vais un peu ralentir le walkthrough, étant donné que... Enfin bon, vous ne vous rendrez pas compte, hein, certainement, vu l'épisode auquel on tourne. Mais, ouais, je vais le ralentir à cause du bug d'épisode 2, qui fait que j'en vois plus d'épisodes actuels. Aujourd'hui, ça sera Arkham City et que... Ah d'accord, il faut... Toutes les cibles touchées. On dépasse les 100 victimes dans le secteur 1. C'était que... Je vous avais dit que le protocole, ça allait être de tuer tous les criminels, mais en ayant un comment... Toutes les cibles touchées. Le droit de faire ça. Le secteur 4 brille comme un sapin de Noël. Ah oui, il a pas été analysé, je le sais. Frappe réussie. Plusieurs victimes chez les détenus. Oh, on est pas obligé de s'accrocher. Non, on est terminé. Pourquoi je peux pas y m'y accrocher? Secteur 2. Et ben voilà, il était dedans, je suis super lent pour lui, n'empêche. Allez hop, connexion. Putain. Vraiment rester avec ça dans le regard, sinon ça foire. Là, je peux me faire tous les hélicoptères de la ville non plus. Ça fait 20 détenus en moins. Là on se croirait dans les Call of Duty quand on utilise le drone dans les missions solo. Bien joué, 20 cibles en moins. Bien joué, 12 cibles en moins. Des trucs comme ça. Putain, cette pilule de gardien. Pas de gardien de cadavre. Cible touchée. Je répète, plusieurs frappes ont atteint leur cible. J'espère juste que tout ce qui aurait été détruit par ces hommes. Nombreuses victimes détectées. Comment? On pourrait y retourner après parce que. Pour les défis qui me restent, ce serait chiant. Devoir recommencer une partie et de les faire donc. Ouais, j'ai une machine. La machine à une. Et là, vous voyez, je suis un peu pressé, mes cocos. Je pense qu'on approche la fin. Donc bon. Bah après on terminera les missions. On terminera je pense le Dead Shot avec vous et Bane. Enfin, Bane il... Ouais, alors Bane on va le faire maintenant en fait. Avant qu'il se fasse tuer. Plusieurs cibles acquises et neutralisées. Comme ça c'est fait. Hein. Quoique. Ouais. J'ai détruit les conteneurs, Bane. Bien. À terre, prisonnier. Vite. Ah. Aide-moi, Batman. On doit empêcher ces pantins de s'emparer du Titan. Wow. Ce que je sais, c'est que là, s'il me frappe, ouais, voilà. Il va pas gêner pour frapper, le petit Bane. Donc bon, moi c'est pas grave, moi je défonce tout. Oh putain, Bane, t'abuses.
Non, je suis là. Entre chez toi, Bane, c'est juste une sorte de cage. C'est pas vraiment chez toi. En tout cas, ça fait bizarre de se battre en étant avec Bane. Bane qui a le temps de nous défoncer la tête. Putain, en fait c'est Bane qui me fait le plus mal. Ouais, ouais. En fait il interrompt mes combos. Il fait pas mal, il juste interrompt mes combos. Il interrompt juste mes combos, plutôt. Il lui juste interrompt, ça aucun sens. Et ça te ferait mal de... Qui tape qui là? Je suis mort? Comme je le disais, j'ai détruit mon stock. J'imagine que tu as fait pareil. D'une certaine façon, oui. Le titan est trop puissant pour être utilisé contre moi. J'avais besoin de tout pour moi. Maintenant, rends-moi un service. Et traîne ! Ça m'étonne. Ah non, je croyais qu'on allait se battre contre lui, mais non. Je savais que tu n'étais pas fiable, Bane. Alors j'ai décidé de t'utiliser. Quoi ? C'est simple. Tu as rassemblé le titan restant. Maintenant, je peux le détruire. Oh, il est encore pire que Bane. C'est vrai que la Bane sur ce coup-ci, t'es censé être un grand stratège, mais t'as pas à réfléchir. Non, là, franchement, Bane, tu me déçois beaucoup. Oh, fais chier, je pensais que ça allait tout faire exploser, ça aurait été classe. On va le refaire, hein, c'est pas grave. Un peu à la Joker dans le Batman, The Dark Knight. Bon, ça me saoule, le machine à aiming, je vais le faire. On le refait. Voilà. Comment d'abord? Comment je vais là? Même les gens qui devaient y travailler, comment ils y allaient quoi? C'est sûr que je vais avoir un objet plus tard qui va me permettre. Tu déconnes. Je suis dégoûté, comme je le savais pas. Le nombre de fois dont j'aurais. Enfin, non, je pense que j'aurais pas pu m'en servir beaucoup de fois. Jusqu'au 18 fucking. Ou 17 épisodes. Je savais pas. Vous pouvez faire ça. Alors. Comme ça, tu as résolu suffisamment de défis. Puis il y en a. Moi, on en voit. C'est difficile. Je l'espère, car il est temps de te récompenser. Et quelle meilleure récompense qu'un casse-tête. C'est énorme quand même. Regardez, à chaque fois, ça fait un mot genre tendre. Plus il y en a, moins on voit. Ah. Ténèbres. Ah non, ténèbres. Facile. Non, ça marchait pas avec tous les mots, vous voyez. Je pensais que ça marchait avec tous les mots, mais pour père, pérèbre. Tu as réussi à résoudre mon. Je pensais qu'à chaque fois ça faisait un mot. Je dois donc te récompenser. J'organise un petit jeu de hasard qui devrait sans doute t'intéresser. Voici ton invitation. Un nouvel hôtel. C'est pas intéressant pour le moment. C'est quoi ce point? Comment je vais y aller ici? Oh. Sujet obscurci. Il y a un sujet dans le coin. Et... J'ai détecté plusieurs frappes réussies dans le secteur 2. C'est énorme ça. Je sais pas ce que je voulais faire, mais j'ai trouvé un sujet. L'analyse thermique de la zone indique 15. Non. 17 victimes. Attends, dégueulasse les mecs. D'accord. Bon, en fait, ouais, c'est juste pour un défi d'os. Non, par contre, ça, non, voilà. Alors. On peut pas avoir de plusieurs batarangs dans celui-ci, je suis déçu. C'est vrai qu'on s'approche de la fin du jeu, il suffit juste de voir à quel point je suis amélioré, sachant que j'ai pas fait beaucoup de défis. C'est vrai qu'il fallait pas être un génie pour comprendre qu'on s'y approche.
Genre ils m'ont repéré. Merde, ils m'ont repéré. Putain, saute. Fais chier. Non mais là il a pas sauté. Moi je voulais fuir un ancien. Attends, Mugen ça j'ai jamais aimé. Genre dans Assassin's Creed ils ont mis ça en place. Je me suis jamais au grand jamais servi. Faut pas l'intérêt de passer après dans le clair, c'est mon point de vue. Bon bah voilà. Mais dans Assassin's Creed jamais tu Mugen là non plus. Hein. Très peu, très rarement en tout cas. Je savais que j'étais meilleur que vous, Wayne. Maintenant vous l'avez prouvé. Joliment dit, très joliment dit. Des plans toujours aussi. Ce qui m'étonne, c'est où est-ce que Joker est parti avec Talia. Il reste 4 minutes. Donc pendant ces 4 minutes, on va essayer de trouver tous les hélicos. Enfin bon, c'est un peu chiant. La zone indique 15, non, 17 victimes. Bah oui, mais j'avais amélioré l'armure balistique, mais monsieur... Ça c'est à chaque fois faut que je m'améliore, ça va être chiant. Plusieurs cibles HS, nombreuses victimes détectées. Bon bah allez, on va le laisser de côté, suffit, si je serais dégoûté. C'est un vrai massacre. De toute façon, je vous l'avais dit que ça allait être... Et tout explose. Missile verrouillé, bâtiment touché. Allez. Le truc c'est que ça peut pas les empêcher de marcher avec ça là. Bah voilà, pile quand il fallait. Détenu visé, neutralisé. Pile à la fin de l'épisode. J'ai le que demander de plus. Je file vers la tour Wonder. Super, vous êtes en bonne voie. Le code devrait vous permettre d'entrer par la salle des gardes près de la porte principale. S'il arrive quoi que ce soit, Talia... Allez, dans la ruelle. Dites à Alfred que tout est sa faute. De toute façon, Talia est censée être... On va aller dans la ruelle, comme ça je serai à l'abri. Ici, c'est... Talia est censée être dans les fondations de la tour Wonder, donc on risque rien. Bon, et moi sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On va peut-être entamer la fin de l'histoire. Je m'en étais jamais rendu compte jusqu'à ce point qu'on était si proche de la fin. Moi, je vous dis à la prochaine. J'espère donc vraiment que cette vidéo vous aura plu. Allez. Merci, Blanchesse.